Savais-tu que le soleil n'était pas solide ? On t'explique. Bienvenue dans Comprendre le soleil, la série qui te fait découvrir tout ce que tu ne sais pas encore sur notre magnifique étoile. Contrairement à notre planète, le soleil n'a pas de surface solide. C'est une boule de gaz avec une surface apparente lumineuse sur laquelle on peut voir différents éléments. À la surface du soleil, on a deux choses : des grains brillants, appelés granules, et des taches solaires. Les granules solaires, ce sont des petites bulles de plasma chaud entourées de plasma plus froid. Elles font partie du processus de convection qui apporte la chaleur créée dans le noyau à la surface de l'étoile. La deuxième chose, ce sont les taches solaires. Elles sont liées à la présence de champs magnétiques à la surface du Soleil. Beaucoup plus grosses et beaucoup plus froides que les granules chaudes, ce sont des régions où le champ magnétique est particulièrement intense. C'est grâce à elles qu'on arrive à prouver que le Soleil tourne sur lui-même. En revanche, ce qu'on peut également voir grâce à ces taches, c'est que contrairement à la Terre, la surface du Soleil a une rotation différentielle. C'est-à-dire que les régions proches de l'équateur et celles proches des pôles ne tournent pas à la même vitesse. Déboussolant, non ? Voilà, maintenant, le Soleil n'a plus aucun secret pour toi. À bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre le Soleil.